Nouvelle ouverture de box cette semaine, j'ai commandé sur Lolalisa. Ça faisait un moment que j'avais plus commandé sur Lolalisa et j'ai profité des soldes. Il y avait 2-3 trucs qui me plaisaient notamment. Alors vous m'en aviez parlé, enfin quelqu'un m'en avait parlé dans les commentaires quand j'ai montré la commande qui avait, non c'était pas ici, c'était sur TikTok, mais du kimono qui était trop long, je vous montrais trop long. Et on m'avait dit, mais il faut prendre un cours peut-être. Et bien, j'en ai trouvé un cours rose, les gars, rose. C'est pour ça que j'ai commandé sur Lolalisa, en fait. C'est pour le kimono. Et du coup, j'en ai, comme d'habitude, profité pour prendre d'autres vêtements, histoire de ne pas prendre qu'un vêtement. Je pense que j'ai même pris peut-être en 2 tailles, je ne sais plus. Par Klarna, évidemment, par Klarna. Donc, on va ouvrir ce colis. On va voir ce que j'ai commandé. C'est commande de solde. Une commande de solde. Et il y avait des beaux trucs, franchement. Lolalisa, c'est un magasin... Une enseigne qui fait du mid-size, donc ça va être que jusqu'au 48 EU. Mais voilà, il y a des trucs sympas. Ah, tout emballé. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ouh, voilà. Et dedans. Ouh, il y a des flyers. Attendez. Hein. Voilà. Alors là, oh, j'ai une réduction de 8 euros. Bien, bien. Et là. Ah, il y a un nouveau retour. 30 jours pour effectuer le retour via notre nouveau portail dédié au retour. Rendez-vous sur Lolalisa. Retour, scannez le QR code, suivez, blablabla. Ok. Ok, pourquoi pas. Donc j'ai pris ça, c'est des robes longues. Pardon. Ah, il y a ma facture qui s'en va. Donc j'ai pris 4 articles. Une robe. Je les perds. Une robe longue avec des rayures, comme vous pouvez voir. C'est noir, c'est vraiment, ça m'avait paru vert. Enfin, c'est noir. La même robe longue en marine. Voilà. Le kimono est d'un moins bon rose que je pensais. Là, c'est... Je pense que c'est une robe en bleu cobalt. Voilà. Je suis plus sûre, mais je crois que c'est ça. Et donc, ce fameux kimono rose... Kimono rose, court, mais le rose est moins beau que celui de Kiabi. Pour rappel, je vous remets la petite photo. Dommage, mais ça va. En fait, c'était tellement peu cher enfin, pour du Lolalisa. Lolalisa est quand même une enseigne qui est quand même un peu chère, mais les vêtements sont en général de bonne qualité. Donc, ça vaut son prix. Mais voilà, là, en solde, clairement, c'était limite donné tellement que ça valait le coup. C'était vraiment pas cher. Donc, je vais essayer les vêtements. Dans quel ordre? Bon, je suis en robe. Du coup, je vais essayer les robes, puis je me rhabille, je mets un pantalon et je vous montre le kimono. Alors, cette robe avait l'air mieux en photo. C'est une robe bleue. Je mets la ceinture. La ceinture, c'est en anneau. Oh, je déteste les ceintures en anneau. Parce que ça se desserre tout le temps, je trouve. Je sais jamais comment bien les nouer. Comme ça? Ça c'est très mince, ça fait rétro je trouve, mais les manches ça va pas du tout. Donc je vais baisser la caméra un peu. Voilà les manches, voilà. Je vais fermer quand même les manches. Ouais, même en fermant je passe à travers. Oh, elles sont beaucoup trop longues, regardez ça. Non, elles sont vraiment trop longues, donc la robe, ça va pas. C'est trop long, quoi. Par contre, ça taille très bien. Alors, j'aime pas. J'aime bien les robes chemises, donc avec ça. Mais j'aime pas du tout ce col, là, qui est complètement cousu. Pour toute la longueur. Bizarre. Pas fan des ceintures avec anneaux comme ça, mais ça va. Par contre, c'est vraiment trop long. Mais genre, vraiment trop long. Ah, le manche, ça va pas du tout. La longueur, très bien. Le tissu, très bien. Cette couleur, c'est très bien. Les manches, dommage, c'est raté. Ah, j'étais déçue quand même. Hein. C'était pas le but de ma commande, cette robe. C'était pas le goal de ma commande, mais je suis quand même déçue qu'elle aille pas. Bon, c'est les manches, je suis petite. C'était le risque, c'est toujours le risque avec moi. Voilà, ça va pas. Après, elle est de bonne qualité. Hein. Je sais plus combien elle coûte, mais... Voilà, on va essayer ensuite les robes longues. Alors, la robe longue, taille trop grand. En quelle taille j'ai pris ce truc? Ça s'appelle Tanky.
Ok, j'ai pris du 3XL. Un, j'ai pris en 3 et l'autre en 2. À mon avis, c'était que c'était, il n'y avait plus ma taille. Ouais, elle est un peu trop grande du coup. Non, elle est vraiment trop grande. Ah, c'est con, 3XL, c'est trop grand pour moi. Déception. Ah ouais, non. 3XL, c'est trop. Trop grand. J'ai remonté un peu la caméra. Donc oui, clairement. Elle est trop... Je me dis, fio, elle est grande, mais elle est vraiment... Elle est longue, mais elle est trop, trop grande là. Plus c'est le genre de tissu qui va se détendre. Là, faut plus une taille en dessous. Oh, non, regarde. Trop grande d'une taille, clairement. Moi, je vais essayer la bleu marine du coup. Ah, je suis déçue. Oh, ouais, trop, trop grand. C'est raté. Je vais essayer la marine du coup. Ou black. Je sais pas si elle est black ou marine. Je pense qu'elle est marine. Qui est une taille en dessous. Alors, donc, j'ai mal vu, c'est une noire. Et même en XL, XXL, donc c'est du 46, je pense. Je suppose, XX. Elle est trop grande aussi. Un peu trop grande là, regarde. Mais beaucoup moins que l'autre. Je sais pas si ça te va bien, en fait. Mais elle est trop grande. Bah, elle n'a pas de forme, en fait. Elle a aucune tenue sur moi, elle est vraiment grande. Mais là aussi, elle est trop basse. Bon, avec une ceinture, je vais prendre une ceinture. J'essaye avec une ceinture peut-être pas la plus adaptée. Mais ça permettra de mieux la mettre, non? Faire blouser un peu. Mais comment j'ai pu me planter dans les tailles ainsi? Bah non, ça va pas. Elle est trop grande aussi. Déception. Déception. Ouais, bon, bah c'est retour quoi. Je suis tellement déçue que je vais même pas me changer. Je vais essayer direct le kimono au-dessus. Hop. Tant pis, hein. Vous allez voir c'est quoi donc. C'est un kimono sans ceinture. Bonne fabrique. On dirait un peu du lin. Est-ce que c'est du lin? J'espère que c'est pas du lin. Parce que je déteste repasser. Vous le savez. C'est du XXL. C'est quoi comme matière? Viscose nylon. Made in Italy. Attention. Bon. Ah ouais, non, ça va mieux. Ah, c'est mieux court, hein. Bon, c'est pas idéal avec la robe, hein, mais comme ça, vous voyez. Mieux, hein. Ah ouais, là, ça va. Là, c'est un kimono qui va. Un petit short, un petit jean, c'est un petit débardeur en dessous. Bien léger pour l'été. Couvrir les tatouages parce que même avec de la crème, je préfère couvrir un peu. Pourtant, j'adore avoir les bras nus, mais là, avec les tatouages, depuis que j'ai des tatouages paranoïaques sur le soleil, eh bien non, ça c'est bien, ça je garde. Sans souci, ça je garde, mais je suis super déçue pour les robes longues. Je suis vraiment déçue, je vous jure. Ok, bon, je retourne la caméra, on fait la conclue. Conclusion de cette commande Lola Lisa ratée de solde. Il n'y a que le kimono que je vais garder. Tout est de bonne qualité, hein, ça, il n'y a rien à dire. C'est toujours, Lola Lisa, c'est toujours de bonne qualité, je trouve. la robe bleue, les manches sont beaucoup trop longues, même fermées. Même large, je veux dire, l'encolure de la manche, là, même, je ne saurais même pas la remonter parce qu'elle va retomber direct. Les robes, j'ai pas compris. C'est quoi du 3XL? Et du 2XL, donc 48-46, les deux sont trop grandes. Va savoir. Pourtant, j'ai l'habitude de commander chez Lola Lisa. Hein. Trop grande. Déception. Mais vraiment, parce que là. Bah, tu sais quoi, je vais essayer de voir s'il n'y a pas en 44 ou 42 même.
m'en fous, hein. Je la veux moulante, tu vois. Je vais aller voir si je sais pas recommander une rayée, mais est-ce que ça sera encore en solde? On est fin du mois. Je ne sais pas. Quand je tourne cette vidéo, on est fin juillet, hein, donc c'est pour ça que je vous parle des soldes. Par contre, le kimono, ça va. Je garde le kimono, c'est tout. C'est la grosse déception. Je ne commande jamais en solde, je trouve jamais des trucs en solde. Là, j'étais ravie de voir qu'il y avait des trucs en solde sur le Lisa qui me plaisaient et qui étaient vraiment pas chers, sachant que c'est de bonne qualité, donc c'est encore mieux. Rien ne va, par le kimono. Donc voilà, c'est la commande de la déception, mais voilà, on ne sait pas faire autrement, quoi. Je vais tout renvoyer sauf le kimono et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau haul. J'espère que la commande Chine sera arrivée.